Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Comment vous allez? Ça va bien, papa. Ce matin, vous avez décidé de me rendre visite aujourd'hui. Oui, papa. Ok. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ce matin? Pourquoi vous êtes venu ici ce matin? C'est à propos du porte-monnaie magique. C'est à propos du porte-monnaie magique. Parce que, bon, c'est mon frère qui a dit qu'il a vu votre publication sur Facebook. Mais bon, il fait de cela 3 mois passés. J'étais escroqué par un Béninois qui vit précisément dans la ville de Sakété, j'espère. En lieu de ça, il avait un Burkinabé, il m'avait frappé. Donc, lorsque j'ai vu ça, j'ai décidé de bien vouloir vous rendre, de bien vouloir vous rendre visite pour savoir si c'est réellement ou pas. Donc, j'aimerais que vous fassiez ça et puis je commence à utiliser d'abord avant de quitter ici pour aller chez moi. D'accord. Je suis un Togolais, mais bon, ma mère est une Ivoirienne. Ouais, mais actuellement, je vis au Togo. Mais précisément, il y a des fois, je quitte Togo pour la Côte d'Ivoire. Mais actuellement, je voulais rester au Togo avec le porte-monnaie. D'accord. Tu as dit que tu t'es fait escroquer plusieurs fois. C'est oui, vrai. Tu... Qu'il y a des gens, il y a des enfants, des jeunes qui ne veulent rien faire. Et ce sont eux qui restent sur les réseaux sociaux qui sont en train de salir notre nom. Ils vont prendre l'argent des gens sans donner suite. Ils vont vous escroquer. C'est vrai qu'il y a de la nappe. Mais chez moi ici, c'est la raison pour laquelle je dis aux gens, si vous n'avez pas la confiance, vous pouvez descendre et venir me voir moi-même chez moi dans mon temple. Et vous allez voir comment le travail se fait. Je ne vais pas contourner autour du plot avant de vous faire la multiplication. Je ne vais pas me lever. C'est là où je suis. Je vais rester sur place pour vous montrer comment la multiplication se fait. C'est vrai qu'il y a un anarque, mais chez moi, je ne le fais pas. Si je ne pourrais pas le faire, je te dis, prends ton argent, va, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est ce que je fais que je vais te dire. Et j'ai ma carte professionnelle, mon attestation, tout et tout. Comme vous le savez, vous êtes ici chez le grand maître Jean Gbetcheyon. C'est bien sûr que moi, je suis ici pour vous laisser, pour vous aider. Donc, comme vous le savez, voici le portefeuille dont vous avez vu sur les réseaux sociaux que vous avez parlé. Voici le portefeuille magique qui multiplie les 800 000 chaque jour. C'est sans risque ni conséquence. Voici le portefeuille. Voici le portefeuille. Regardez ça bien. Voici le portefeuille qui multiplie les 800 000 chaque jour. C'est sans risque ni conséquence. Ça n'a pas d'inconvénient ou d'effet secondaire sur votre vie. Je suis là pour vous aider. Et avec cet argent que ce portefeuille magique va produire, vous pouvez déposer ça dans une banque. Déposer ça à la maison. Vous pouvez tout bouffer le même jour ou vous pouvez laisser faire des économies. Mais surtout, aider les pauvres. Okay. Vous allez aider les pauvres. Parce que moi, j'ai eu cette force où c'est parce que j'ai refusé d'aller à l'école et les parents ne voulaient pas m'aider. De là, j'ai pris mon chemin, je suis allé dans la forêt, j'ai resté là-bas pendant des années. C'est de là que j'ai vu une grand-père qui m'a donné cette force. Et je suis là aussi pour aider les grands. Je suis ici pour aider les orphelins et là, vous allez voir que... Ah, je suis une vraie personne qui va vous aider. Donc, comme vous le voyez, vous êtes venu, vous avez vu des photos, des images, des grandes personnes avec qui j'ai fait des photos. C'est comme ça. Quand tu es direct, tout le monde va t'aimer. Donc, comme vous le voyez, je vais, sans plus tarder, je vais vous montrer comment la multiplication se fait. Je vais vous montrer comment la multiplication, ça se fait. Voilà. Donc, sans plus tarder... Nous allons parler avec les génies, demander la permission aux génies. Donc, ensuite de ça, voilà, on va consulter les génies pour voir s'ils vont accepter. Abdoulaye, voilà, ce sont des 4 courriels qu'on va consulter pour voir ce que ça va donner. Okay. Alors là, les génies ont accepté de t'aider. Ils ont accepté de t'aider. Comme vous le voyez, quand tu vas prendre le portefeuille, tu tapes ça 3 fois. Tu tapes ça 3 fois et tu appelles le nom de 3 banques. Je dis bien, tu appelles le nom de 3 banques, de 3 différentes banques. Et tu dis tous les vœux que tu veux. Si l'argent vient, ce que tu veux, tu vas dire que des biens. Et quand tu prends ça directement, tu ouvres. Alors voilà. Ouh! Voilà. Je ne me suis pas déplacé avant de faire la multiplication pour vous, comme vous le voyez. Ce sont les vrais billets de banque. Ce sont les vrais billets de banque. Vous-même, vous allez voir. Je veux que si ça vous voit, s'il vous plaît. Je peux garder. Je peux vous laisser ça, vous allez utiliser ça vous-même. Pour laisser ça à vos enfants. Ça, c'est ça. Ouh, voilà. Wow, papa, vous êtes fort, voilà. Vraiment. Tu peux envoyer ça à quelqu'un d'autre, il ira payer.
Tu peux garder ça, non? Tu peux garder ça. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre, mais je vais montrer ça aux clients vis-à-vis. Ils vont voir que cela a vraiment produit. Donc, c'est un peu ça. Chez nous, ici, on ne s'amuse pas. Rien que des 20 billets de banque, c'est ça que tu vois comme ça, que les génies ont produit. Alors là, quand tu vas finir de prendre tout cet argent et les 800 000 bons produits, tu laisses juste un billet de 10 000 francs dans le portefeuille. Et là, à chaque zéro, ça va te multiplier. C'est ça. Tu laisses un billet de 10 000 francs dans ce portefeuille magique. Donc, c'est comme ça. Pour toutes personnes qui seront dans le besoin, n'hésitez pas à me contacter. C'est le plus 229 97.